On voulait nous vraiment remettre dans l'actualité l'enjeu de la rémunération des éleveurs de viande bovine et la pérennité de ces fermes-là au regard des décisions politiques actuelles. Donc accord de libre-échange, mais également négociations commerciales et loi Egalim et discussion autour de la future PAC. Comment avec ces différentes décisions politiques on arrive à orienter le modèle allaitant et le modèle de l'agriculture française dans un sens ou dans un autre, et est-ce qu'on arrive à installer ou pas, est-ce qu'on arrive à pérenniser les fermes ou pas?